Confirmez-moi si le volume est bon. Hein. Confirmez-moi si le volume est bon. Hein. Confirmez-moi le volume, hein, si le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Partagez la connexion et confirme-moi si le volume est bon. Hein. Confirme-moi le volume si c'est bon. Confirme-moi le volume si c'est bon. Oh, Florence de France, Nice Côte d'Azur. Moi je suis en ligne, ne m'appelez pas, je suis en direct, je suis en train de faire le direct là, donc ne m'appelez pas. Je fais le direct là, ne m'appelez pas. Donc partagez la connexion. Partagez la connexion s'il vous plaît. Partagez la connexion. Est-ce que le volume est bon? Philbert, dis-moi si le volume est bon. Banga Diaspora, dis-moi si le volume est bon. Dis-moi si le volume est bon. Hein. Partagez avant que je ne commence, parce que aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Mais comme vous le savez, je ne vais pas très long.
partager la connexion. Florence de Nice, s'il te plaît, tu peux me confirmer si la connexion est bonne. Je vois pas beaucoup de gens, donc c'est pour ça que j'attends qu'on partage. Florence, tu demandes de me confirmer si le volume est bon. Ok, d'accord. Partagez la connexion. Salut Isaac. Yusuf, comment tu vas? Moi, je n'ai pas les commentaires, enfin, les choses négatives, je n'ai pas ça. Un petit coucou à Memona Durand de Paris. Un coucou à Latifatou. Ne m'appelez pas parce que je suis en ligne là. Je suis en train de faire une vidéoconférence là maintenant. Je vois que vous êtes beaucoup plus connecté sur ma page Twitter. Adama de Montréal, comment tu vas? Molu de Washington, comment tu vas? Il n'y a pas encore beaucoup de gens, donc je ne peux pas. Ce que nous allons parler aujourd'hui, on va parler de la situation de notre pays, que nous aimons tous. Et comme je l'avais dit dans d'autres conférences que j'ai fait pas très longtemps, j'avais dit que le Cameroun n'appartient pas à un clan, ça appartient à tous les Camerounais.
Bonsoir, je vais commencer. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Est-ce qu'il y a le volume? Est-ce que le volume est bon? Bon, voilà, je vois ici sur Twitter. Il y a beaucoup de gens sur Twitter. Et sur Facebook, je ne vois pas beaucoup. Partagez la connexion, partagez la connexion. Bonjour, Martin Tajo. Bonjour, mon frère, le fils du pays. En Allemagne. Un petit coucou à Jupondi Kotu de Douala. Connectez-vous, hein, connectez-vous. J'attends. J'attends la connexion. J'attends que les gens se connectent. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Oui, Charlie Moncam de Bruxelles. Salut, un petit coucou. Clarisse Toche de Paris. Salut. Et chef de quartier de Makop. Maman, comment tu vas? À Fumben là-bas. Nombreux, hein. J'attends partager la connexion parce qu'on a des sujets très très importants et très très je peux vous dire aujourd'hui que je suis un homme heureux. Pourquoi je suis heureux parce que comme vous le savez, j'ai été traîné dans la boue quand j'avais fait ma sortie que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, je crois au mois de mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ça a fait tout un touille-bouille médiatique au Cameroun. Ou bien, si bien que Canal Vision 4, qu'on nous appelons à l'Occident Vision 1000 collines, a vilipendé et a dit des insanités sur moi. Certains journaux ont écrit des insanités sur moi. Et dans ma propre famille, vous vous souvenez très bien ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Oui, mon Gunji, comment ça va? Mais je suis en ligne, là, je suis en train de faire le direct. Je suis en train de faire le direct. Attends. Excusez-moi 2 minutes. Partagez la connexion, hein. Partagez la connexion. Il n'y a pas beaucoup de gens, hein. Je viens d'avoir un message. Partagez la connexion. Je vois pas beaucoup de gens, j'attends.
pense que je n'arrive pas à voir. Partagez la connexion, partagez la connexion. Est-ce que vous m'en... partagez la connexion. J'attends que vous partagiez, j'attends. Partagez la connexion, 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 partagez, partagez. Bon, voilà, ici c'est le prince Joya, le grand prince Joya. Et voilà, je voulais, je vais commencer là maintenant et attendez que vous partagiez. Partagez la connexion, hein, parce que là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur Facebook, je vois sur WhatsApp, enfin sur Twitter, il y a beaucoup plus de gens là-bas. Salut, salut, salut. Ici, c'est le grand prince. Je vais, et peut-être la connexion. Hein. Bon, voilà. Je vais commencer. Bon, voilà, j'ai parlé, j'avais parlé au mois de mars, la situation de notre pays, le Cameroun, que nous aimons tous. Beaucoup de gens m'ont jeté des pierres. Ça a fait ce que ça a fait. Mais vous savez, quand j'ai une information importante et quand je donne cette information, je suis sûr de mes informations. Donc, je ne change pas d'avis. Beaucoup de gens m'ont demandé de sortir et faire une déclaration pour, comme quoi je faisais juste, j'amusais juste la galerie et tout. Et puis, ça n'est pas dans mes habitudes. Donc, quand j'ai une information importante, je tiens à partager et je partage avec vous. Voilà la situation. La situation au Cameroun, c'est que il y a, je peux déjà confirmer ici aujourd'hui que à partir de maintenant, il y a vacance du pouvoir. Je peux déjà vous décrire ce qui se prépare au jour d'aujourd'hui. En attendant que les gens se connectent, je peux quand même commencer à donner quand même quelques informations. L'information que j'ai sous la main, qui m'a été envoyée par des gens crédibles, vous savez, moi aussi j'ai des amis, que ce soit dans le gouvernement ou dans l'armée, ou même, enfin, j'ai des amis dans l'opposition, comme dans l'armée, comme dans le gouvernement. Dans le temps en temps, je peux avoir quand même des informations que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est pour ça que j'ai pu, enfin, je n'ai pas programmé, fait mon direct aujourd'hui. Mais comme les choses changent tout le jour, j'ai reçu pas mal d'informations et j'ai décidé, j'ai pris la décision de partager cette information avec vous. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la situation est trop grave au Cameroun. En ce moment précis, la situation est trop grave. Selon les informations que moi j'ai ici, qui m'a été envoyé par des gens crédibles, je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas l'habitude de citer le contemporain. C'est ça que vous sachiez. Il est question
que ce qui se dispute en privé, les questions c'est parce que moi j'ai beaucoup de sujets hein, que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il est question que le MSC soit dessous. Ça, c'est la grande information. Parce que si, selon toujours l'information que j'ai reçue, si le mouvement, le président, le professeur Maurice Kamsou, essaie de contester ce qu'ils font, non seulement, ça c'est des choses qu'on m'a dit en privé et des gens bien placés et crédibles. Ils vont dissoudre le MSC. Voilà l'information que j'ai eue de première main. Et comme je n'avais pas programmé faire le direct aujourd'hui, encore moins cette semaine, donc j'ai décidé qu'il faut que je partage cette information avec vous. Et deuxièmement, il y a vacances de pouvoir. Là, je peux confirmer qu'il y a vacances de pouvoir. Ne me demandez pas si le présent est mort ou s'il est vivant. Nous, on avance. Vous savez, on ne peut pas se prendre la tête avec ceux qui, n'est-ce pas, essayent de se positionner. Et puis, donc, moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a vacances de pouvoir et que les députés de la nation ont été achetés. Excusez-moi, on m'envoie. Ok, les députés ont été achetés à 4 milliards. Je dis bien 4 milliards pour voter la loi que je pense que vous avez déjà vu d'autres intervenants qui ont, n'est-ce pas, déjà décrit que le régime veut changer la constitution. Maintenant, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que vous avez des gens au Cameroun qui sont militants de partis d'État. Vous savez, je suis apolitique. Mais de temps en temps, si j'ai des informations, je pense que il va de soi que je partage avec mes amis. Voilà l'information que j'ai eue à la dernière minute et je voulais partager ça avec vous. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de vouloir faire, la seule personne qui est le véritable opposant au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamsou. Et que le professeur Maurice Kamsou est la seule personne que quand il parle, tout le monde suit. Donc, ça, c'est des informations dans les coulisses. Et j'ai eu vent de ça parce que j'ai quand même des amis, quelque part. Je vais revenir sur le sujet de ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Je peux déjà vous donner cette information-là maintenant. La femme du président, le futur ex-président, j'ai nommé Paul Biya, a fait un AVC. Que en ce moment précis, elle ne peut plus rien faire. J'ai reçu des messages en privé des gens qui m'attaquent en disant pourquoi je m'en prends en Fernand Gongo. Je tiens ici à clarifier certaines choses que je n'ai jamais dit ici sur la toile. J'ai eu à rencontrer Fernand Gongo à New York quand il était diplomate. Et comment j'ai rencontré le Fernand Gongo? J'ai rencontré Fernand Gongo
quand il était à New York, à l'ambassade de, à la mission du Cameroun à New York. Et comment je l'ai rencontré? C'est l'ex-président, l'ex-ambassadeur, excuse-moi lapsus, l'ex-ambassadeur Bilinga Ebutu, qui est mort, paix à son âme, qui m'a fait rencontrer Ngongo. J'ai été reçu par Bilinga Ebutu au Cameroun, et c'est comme ça que moi je rencontre Ngongo. Je n'ai jamais vu Ngongo dans ma vie, je n'ai rien contre lui. Contrairement à ceux qui m'envoient des messages et me disent que j'ai un problème avec lui. Vous savez très bien que depuis que j'ai fait mes directs, je n'ai jamais parlé de Ngongo. Pas parce que je ne le connais pas. Je le connais très bien. Mais il n'a jamais rien fait. Il m'a jamais rien fait. Bon, sauf que quand je reçois les informations, il faut que j'en parle. Aujourd'hui, l'information que moi j'ai aujourd'hui, c'est que Ngongo est le prochain vice-président du Cameroun, si je ne me trompe pas. Si on veut, comme on veut changer la constitution, je peux déjà vous dire que on veut changer la constitution pour prendre Ngongo comme vice-président, et ce monsieur pourra finir le mandat de Paul Biya, dont les 5 ans, en 2025. Voilà l'information que nous on a à ce moment. Je peux vous dire que on a acheté les députés, les élus de la nation, à 4 milliards. Je peux aussi annoncer qu'il y a deux options. S'ils essayent de placer le poulain, c'est-à-dire que Ngongo, comme président, ils vont maintenant essayer de faire semblant de respecter la Constitution, c'est-à-dire donner le pouvoir au président du Sénat pour organiser les élections. Contrairement à ceux qui ont dit dans d'autres conférences que, comment il s'appelle encore, comment il s'appelle encore, Franck Biya était le prochain président. Je peux porter un démenti aujourd'hui que Franck Biya n'est pas intéressé. Vous pouvez aller voir sur ma page, la vidéo que j'ai faite au mois je crois au mois d'avril, où j'ai dit que Franck Biya n'était pas intéressé. Pourquoi? Parce que j'avais les informations crédibles. Je peux aussi aujourd'hui vous confirmer que il y a non seulement des problèmes au sein du Sénat, parce que une majorité des sénateurs élus par le peuple, donc 70% des sénateurs élus par le peuple, contestent les 30% nommés par le président, par le futur ex-président de la République, j'ai nommé Paul Biya. Et ils trouvent à cette personne que ces personnes n'ont pas été élues démocratiquement, donc le Sénat ne peut pas leur revenir si jamais Niak ne peut plus assumer ses fonctions. Donc, je voulais faire allusion à monsieur à Lamido, je crois, de Galois ou de machin. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux dire et confirmer que la situation s'annonce très très difficile pour notre pays. Et comme j'ai eu à décrire dans d'autres conférences que j'ai faites dans le passé, j'avais dit que la majorité de certaines personnes sont atteintes du syndrome de Stockholm. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas, parce qu'eux, ils savent que si il y a l'alternance au Cameroun, ils vont perdre leur privilège. Et je peux prendre des exemples, plein d'exemples au Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu certains griots du Parti d'État vilipender des informations
comme si le Cameroun était le paradis, juste pour essayer de se positionner. Vous savez, la majorité de ces militants, de ce parti d'État, dont je nomme le RDPC, sont des gens qui, dans la vie active, n'ont jamais rien fait dans leur vie active. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais... They are not achieved anything for that, for lifestyle, for the lifestyle. They never do anything for you guys. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prostituent pour que les choses ne changent pas au Cameroun. La grande information que je peux donner aujourd'hui, c'est que le professeur Maurice Kamto est la personne visée aujourd'hui. La confiscation du pouvoir s'est accentuée. Comment vous pouvez m'expliquer que si, par exemple, le comment il s'appelle encore les membres du parti d'État refusent, s'ils sont, bon, moi je pars du principe que s'ils sont tellement aimés par le peuple camerounais, pourquoi ils refusent d'échanger le code électoral? Eh bien, moi je peux déjà dire que ici, que s'il y a les élections, le même code électoral, et sinon la Suisse, va demeurer. Il n'y aura pas de changement. Ça, c'est une information qui m'a été confirmée par des gens crédibles, par des amis, bien entendu, qui me font l'honneur de temps en temps me donner quelques informations. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de partager cette information avec vous pour que nous n'en ignorions ce qui se prépare. Vous savez, je vois les gens qui me demandent si le président Biya est mort. Non, moi j'ai déjà dit, j'avance. Je ne me soucie pas s'il est vivant ou s'il est mort. Enfin, si j'ai dit qu'il y a vacance de pouvoir au Cameroun, ça veut tout simplement dire qu'il y a vacance de pouvoir. Alors maintenant, s'il est mort ou il n'est pas mort, ça c'est le détail. Moi je ne gère plus ça là. Ça c'est de passer où on avance. J'ai aussi d'autres informations que je viens d'avoir, que le passeport de Mme Germaine Ahidjo a été restitué. Par l'ordre de qui? La question demeure. Aujourd'hui, le régime a créé un parti politique. Vous savez, je n'ai pas envie de faire l'honneur à cette partie, un parti politique à Bafoussam. Légaliser ce parti pour combattre le parti de Maurice Kamto. J'ai du mal à comprendre comment ça se fait que on légalise son parti, on veut combattre le régime, mais on combat plutôt l'opposition. Pourtant, l'opposition n'a pas de pouvoir, pour le moins. Je peux vous dire que aujourd'hui, l'homme à abattre aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Il y a un plan pour finir avec lui. Ça, c'est l'information que j'ai reçue. Et je peux vous dire que l'armée et des autres sont divisés. Je demande, je pose la question à, non à ceux-ci qui disent qu'ils sont... ils disent que Kamto n'a pas le... Il n'a pas des élus pour parler au nom du peuple camerounais. J'ai suivi, je crois, hier, un individu qui se présente comme un membre de EDPC, c'est que le parti d'État, qui a dit que Kamto ne représentait rien. C'est plutôt bizarre. Mais, et pourtant, tous les jours, on parle de Kamto, partout dans les médias au Cameroun. Vous êtes sans ignorer, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, que aujourd'hui, les chaînes de télévision camerounaises, Equinox, Canal 2 et d'autres chaînes de télévision parlent déjà de vacances de pouvoir. J'avais dit, il n'y a pas très longtemps, quand il y a eu ces vidéos que
je sais que vous vous souvenez, où on a dit que le président a fait un discours à la nation. J'ai fait un Twitter où j'ai dit que c'est le fake news. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. J'ai toujours dit que je ne sens pas parler et donner une information pour amuser la galerie. Je ne cherche pas un poste ministériel, je ne cherche pas à me faire connaître parce que tout le monde connaît qui je suis au Cameroun. Mais je ne sais pas, il y a pas les médias connaissent qui je suis au Cameroun. Donc je ne... Salut Clarisse de Paris. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que je veux me prendre la tête avec tout ce qui a été écrit? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ces personnes qui m'ont traîné dans la boue, parce que, comme vous le savez, des gens que je connais à Yaoundé m'ont traîné dans la boue parce que j'avais osé donner une information capitale. Et voilà que l'histoire aujourd'hui m'a donné raison. Je peux vous dire aujourd'hui que Madame Bière a fait un AVC. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Moi, je ne la gère pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, vacances du pouvoir. J'ai dénoncé il y a je crois 2 semaines la confiscation de pouvoir par l'élite Boulou au Cameroun. Tout ce qui vivent au Cameroun le savent. Le cas par exemple dans les ambassades, prenez par exemple le cas dans les ambassades partout dans le monde, c'est des Boulous. C'est-à-dire qu'à 90%, c'est des Boulous. Alors, moi j'ai déjà dit, et je répète, que vous savez, ma position est difficile quand je donne une information, vu mon statut. Mais le pays nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas à un clan. Ça n'appartient pas à un clan. Donc, je ne peux pas aujourd'hui me permettre de me prendre la tête avec ceux qui ont fait la délation de fonds de commerce au Cameroun et ailleurs. Et comme vous le savez, la situation non seulement est tellement grave au Cameroun, je peux déjà vous dire aujourd'hui que l'armée dans le Nozo n'a pas eu le salaire. Et ils sont en train de prier bagage pour quitter le Nozo. La Sonara, que vous vous souvenez, depuis que vous vous souvenez de ce qui s'est passé, aujourd'hui la Sonara a de sérieux problèmes. Et tout ça, ça montre que il y a non seulement vacances du pouvoir, mais certaines personnes qui se positionnent essayent, n'est-ce pas, de se maintenir au pouvoir par tous les moyens. La grande information que je peux vous livrer aujourd'hui, et bien d'autres, c'est que, et comme j'avais dit il n'y a pas très longtemps, je prends un exemple, comme ça à la con. J'ai toujours, comme vous le savez, j'ai toujours combattu le tribalisme au Cameroun. Et je suis un fervent défenseur du vivre ensemble au Cameroun. Et je vous ai dit il n'y a pas très longtemps que non seulement je n'étais pas un fervent défenseur de ceux qui prennent la division dans le pays, je prends le vivre ensemble. Et je souhaite la paix pour mon pays. Mais hélas, j'ai suivi ce qui s'est passé aux États-Unis, le noir qui a été tué. Le monde, toute l'Amérique et même les Camerounais se sont levés contre ces policiers. Mais
C'est plutôt bizarre. Les Camerounais ont un problème. On a tué un citoyen camerounais à Bafoussam, pas un gendarme. Boulou. Personne n'a bougé dans Yogota. Mais on a tué un Américain noir. Tout le monde est indigné. C'est plutôt bizarre. J'ai du mal à comprendre que la majorité des Camerounais qui, depuis, essayent d'amuser la galerie, pensent qu'ils détiennent la clé pour je ne sais quoi. Mais je peux vous dire aujourd'hui, avec toutes les informations que j'ai à ma position, qu'aujourd'hui, la majorité, je dirais même la majorité des membres du bureau politique des EDP, je ne dis pas tous, sont tous ceux qui n'ont pas, dans leur vie active, posé un acte concret à part faire la politique. Ils n'ont jamais. Bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais ils ont passé toute leur vie à faire la politique. Et c'est pour ça qu'ils trouvent que si demain. Si demain ils perdent le pouvoir, eh bien, ils vont perdre leur privilège. Je vais vous dire pourquoi le régime, depuis, a retardé, qui continue à retarder pour donner, pour déclarer officiellement la vacance du pouvoir. C'est parce que, je dis bien, et je pèse mon mot, c'est parce que ils savent que si demain ils déclarent, avant, si des cas avant les élections, qu'il y a vacance de pouvoir, je vous assure que tous les membres du bureau politique et tous les soi-disant sympathisants de ce parti vont se rallier à l'opposition. Et ils ont peur. Ils le savent. Ça, c'est l'information que j'ai. Je peux vous dire que je parlais avec beaucoup de chefs traditionnels, que ce soit au nord, à l'extrême nord. Dans le sud et même à l'ouest, hélas, tous sont unanimes. Ils attendent tout simplement que le pouvoir déclare, enfin, s'ils annoncent que Biya n'est plus à ce moment-là. Vous verrez que tout le monde maintenant va essayer de rejoindre l'opposition. Et la vraie opposition au Cameroun, c'est le parti de Maurice Kamto, qui aujourd'hui est marginalisé par le régime en place, vilipende des forces d'information. Aujourd'hui, pour avoir l'argent, puisque très souvent ces communicateurs du régime sont payés pour lancer des pierres à Kamto. C'est-à-dire que quand tu veux te faire remarquer, il faut s'attaquer à Kamto. La Kamto est devenue la bête noire de certaines personnes et qui se font de l'argent avec, puisque il suffit seulement que moi j'aille, je dis que bon voilà, et je vais vous dire que j'ai été à plus d'une fois contacté pour jeter les pieds à Kamto. Kamto m'a jamais rien fait. M'a jamais fait du mal. Kamto m'a jamais rien fait. Je n'ai rien contre lui. Il y a 80, je dirais même 90%. Quand le président Biya prend le pouvoir, il y avait, je crois, 300 sociétés. Et aujourd'hui, il n'en reste que peut-être 30, en 38 ans. Et nous voulons. Quand je vois certaines personnes qui viennent essayer d'amuser la galerie, j'ai un problème avec ça. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai pris la décision de prendre mes distances avec des mensonges grossiers, parfois ridicules, par le régime en place. Je suis obligé parfois
de changer mon téléphone tout le temps parce que je suis tellement. Enfin, les amis m'appellent pour se plaindre. Je ne me suis jamais prononcé parce que je vous dis que je suis apolitique. Il y a beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, parlent politique au Cameroun, qui n'ont jamais fait la politique. Et moi non plus, je n'ai jamais fait la politique. Mais je pense que ma voix peut compter. Tant que je peux peut-être renseigner mes compatriotes, c'est-à-dire que donner des informations à mes compatriotes, c'est-à-dire que quand c'est que je connais, je ne vais pas me gêner pour le faire. Et je crois que le changement est impératif. C'est-à-dire que tout le monde doit se battre pour le changement au Cameroun. Cet tribalisme d'État doit changer. Je n'ai même pas envie. Je voulais juste. Je fais cette parenthèse. Il y a eu. Bon, des enseignants, par exemple. Il y a 300 quelque chose des enseignants, enfin, des enseignants recrutés par l'État. Pour ne que prendre cet exemple. Nous avons, sur 300 quelque chose, il y a 200 boulots. Et à l'ouest, il y a, tout l'ouest, il y a 50 dans l'ouest. Et dans le département de nous, dont je suis originaire, il y a 8. Voilà ce que nous vivons. Et à l'extrême nord, au nord Cameroun, à l'extrême nord Cameroun, il y a au nord Cameroun, il y a 30 Garoua, il y a 25. Je vous parle des faits réels. Vous pouvez vérifier. Ça, c'est des faits réels que j'ai reçus hier. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Bien sûr que non. Tout le monde ici aujourd'hui veut la liberté au Cameroun. Bien a échoué, ça c'est une évidence. Je sais que j'ai été attaqué par ma propre famille, que je faisais ombrage au nom de la famille. Mais j'ai envie de rire. Parce que si vous m'accusez de faire ombrage au président de la République et au président de tous les Camerounais, ça n'a justement rien à voir avec ma famille. Mais vous savez, comme j'ai dit, les gens veulent se positionner pour pouvoir nourrir leur famille parce qu'en dehors de faire la politique, ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. Moi, j'ai des amis. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent et me disent « Ouais, Wema Kamto, c'est un bambliqué, il est celui qui a mis le tribalisme au Cameroun, le machin, tout ça là. » Je demande, quand je pose la question à cette personne, de me dire quand et où Kamto a montré qu'il était tribaliste. C'est souvent les réponses de cette personne sont perçues pernicieuses. J'ai dit aujourd'hui, et je pèse mes mots, celui qui est programmé pour être le vice-président du Cameroun, c'est Ngongo, Ferdinand Ngongo, et qui aujourd'hui signe tous les documents, nomme tout le monde. Ça, je peux confirmer ça, parce que j'ai des documents qui m'ont été envoyés par les différentes. De toute façon, j'ai aussi des relations, que ce soit en France, que ce soit au département d'État américain, on a quand même des relations, on peut avoir quand même certaines informations qu'on peut partager. Voilà la vérité vraie. Maintenant, il y a un problème maintenant qui se pose. Je vais vous dire aujourd'hui. La France est derrière tout ça là. Ah oui. Tous les problèmes du Cameroun, la France est derrière. C'est vraiment dommage pour un pays ami, un pays que nous aimons bien, de soutenir les détracteurs. Je vais essayer
d'être clair, d'être clair avec vous. Quand les Congolais, je veux dire Congo-Kinshasa, ont pris la décision de... ont pris la décision, n'est-ce pas, de faire la révolution chez eux. Et ils n'ont jamais apprécié Kabila. Et pourtant, moi, si on me pose la question, Kabila quand même a fait quand même, en quelques années, il a fait ses preuves. Et par contre, Mobutu, je crois, en 35 ans ou 40 ans, n'a rien fait au Congo. Mais les Congolais ne voulaient plus de lui. Il a dérivé les Français. Parce que c'est Fallou qui a gagné les élections, mais on a mis Tshisekedi. Voilà un patriote. Je mets quiconque au défi aujourd'hui au Cameroun de me prouver qui est patriote au Cameroun. Il n'y en a pas. Et quand je dis que pourquoi prendre 4 milliards donnés aux députés pour faire passer, pour changer la constitution. Pourtant, il y a 20-30 millions de Camerounais qui galèrent avec la maladie que nous connaissons. Donc, c'est ça le problème que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Un petit coucou à Manchut de France, à Gat. Charlie Moncam de Bruxelles, merci. Bon, alors donc, et comme vous le savez, je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête avec les problèmes du gouvernement camerounais. Je parle avec, je suis ami avec, beaucoup, comme dans l'opposition. Je ne me suis jamais prononcé. Mais ce que je vous dis, la semaine prochaine, ils vont changer la constitution. Et tout ce que je peux demander maintenant, c'est que les Camerounais maintenant se réveillent et qu'ils, n'est-ce pas, partent s'inscrire. Parce qu'il y a deux options. Ils peuvent... peut-être qu'ils peuvent voir que... Moi, je vous dis que l'information que j'ai, le MSC risque d'être dessous si jamais Kamtou appelle le peuple camerounais à descendre dans la rue pour contester. Voilà l'information que je viens d'avoir. J'ai eu ça ce matin. Parce que, vous savez, même les gens du gouvernement, ils savent que je devais faire mon direct aujourd'hui. Donc, je reçois des informations. Mais ce que je peux vous garantir, mes chers compatriotes, c'est que... comment ça s'appelle encore? Vous me demandez d'enlever mon truc. Voilà, j'enlève. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que... comment il s'appelle Ferdinand Gongon a tout verrouillé. Il y a, j'ai suivi certains de mes compatriotes sur la toile qui disaient que il y a trois prétendants, Montazé et le conseil spécial du président. Mais non, mais je peux vous dire que la personne qui va prendre le pouvoir pour barrer la route. Ça, c'est vraiment c'est le mot qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Pour barrer la route à Kamto, c'est Ferdinand Gongon. Et une fois prendre le pouvoir, le MSC sera dissous. Et les membres de ce parti vont être arrêtés et jetés en prison. Voilà l'information que j'ai. Bon, alors, maintenant, comme j'ai dit, ma famille... Bon, j'étais dans la boue, disons, ils ont beaucoup écrit des choses. Je suis aujourd'hui un homme heureux, parce que maintenant on me donne des raisons. Quand j'avais dit que Fambia n'allait pas se présenter aux élections, j'avais raison. Aujourd'hui, il est au jeu. Quand j'avais dit qu'il y a vacance du pouvoir, le patriarche n'est plus de nôtre, j'étais taxé de tout le nom par ceux qui bénéficient de ce régime, y compris ma famille. C'est pour ça que j'ai dit que je ne peux pas comprendre comment à 75 ans, on cherche toujours à avoir des postes ministériels, puisque c'est le but recherché. Pourquoi les leaders, ceux qui sont censés
défendre, n'est-ce pas, l'intérêt. Je dirais pas de l'Ouest, des Camerounais, se prostituent pour des prunes. Ça, c'est le cas de le dire. Et nous sommes... Le problème, c'est quoi? C'est que moi, ce que je dis, on sait quand la guerre commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. On ne sait jamais quand ça finit. Donc, si ceux qui prennent la guerre, parce que beaucoup refusent de perdre le privilège, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas changer quoi que ce soit. Il n'y aura pas de changement, il ne va pas changer le code électoral. J'ai noté, non seulement il ne va pas changer le code électoral, ils ne vont pas essayer de faire plaisir aux Camerounais. C'est un clan de personnes qui pensent qu'ils peuvent se permettre, n'est-ce pas, comme vous le savez, de dilapider les biens des Camerounais. Alors, donc, comme vous me dites, oui, j'ai changé de lire quelque chose là, mais vous me demandez pourquoi je parle. Mais on a abattu un Camerounais au Cameroun, par un gendarme, Boulou. Personne n'a parlé. Et vous venez m'envoyer les messages pour me dire qu'on a tué un Camerounais. Moi, je vis en Amérique, je vis ça tous les jours. C'est pas un scoop pour moi que qu'on tue un noir. Bon, pour beaucoup de gens, ça les surprend. Les noirs sont traités plus bas que t'es ici aux États-Unis. Mais bah, par contre, les autres, quand on est blanc, c'est différent. Les Camerounais, aujourd'hui, ont un problème. C'est-à-dire qu'ils refusent de se battre pour la liberté au Cameroun. Quand je dis battre, les idées, j'encourage beaucoup de ceux qui sont sur place. J'ai parlé avec un ami avocat, je n'ai pas envie de citer le contemporain, qui se trouve être un avocat, un opposant, qui m'a carrément dit qu'il a perdu ses clients parce qu'il était un opposant au régime. Il a perdu, je dirais même 60% de ses clients. Je parlais aussi avec une dame à Yaoundé qui me dit que ils sont racketés tout le temps par les impôts et beaucoup plus les boulots. Alors, quand je me focalise sur les boulots, c'est parce que j'ai un problème particulier avec les boulots. Moi, je n'ai rien contre eux. Hein. J'ai des amis, j'ai plein d'amis boulots. Mais je ne comprends pas pourquoi ces pays n'ont jamais été, enfin, ces régions n'ont jamais été développées. Alors, donc, vous êtes d'accord avec moi que si jamais il y a changement au Cameroun, le prochain président qui va venir, qui ne sera peut-être pas les partis d'État, puisque j'appelle ça comme ça, eh bien, il aura beaucoup à faire. Il aura beaucoup à faire pour résoudre tous les problèmes qu'il y a au Cameroun. En 38 ans, ce n'est pas 38 jours, ce n'est pas 38 mois, ce n'est pas 38... semaine, mais c'est 38 ans de gâchis. Aujourd'hui au Cameroun, on a des Africains, on a des Camerounais qui, à 40 ans, n'ont jamais travaillé dans leur vie. Après avoir, bon, vous savez, je me rappelle quand on était au pays, les parents insistaient beaucoup qu'on aille à l'école. Aujourd'hui, l'école n'a plus de sens au Cameroun. Donc oui, ça a des sens que, bon, tu peux peut-être... parler un beau français, peut-être essayer de conjuguer les verbes. Mais après ça, là, il faut vivre. Autrefois, j'ai fait un petit coucou à ma sœur Flo Karine Nouna de Washington. Un petit coucou. Alors, c'est là le problème. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir a pris la décision, enfin, le pouvoir actuel, là, je veux dire, a pris la décision de muscler, c'est-à-dire que de rendre la vie difficile
à toute personne. D'ailleurs même, je vais vous dire, dans les prochains jours, vous savez que quand le jour que vous allez voir que votre connexion internet ne passe plus au Cameroun, soyez-en sûr que on va dissoudre le MSC. C'est vraiment désolant, révoltant même. Voilà ce qui va se passer. Donc, j'ai peur. Vous savez, ceux qui n'ont rien au Cameroun, ils s'en foutent parce que bon, on a rien, on n'a pas la famille au Cameroun, on n'a peut-être pas des billets au Cameroun. Moi, je ne me bats pas parce que j'ai envie d'être ministre demain, parce que je suis à l'abri des besoins. J'ai pas besoin d'être. J'ai de quoi quand même vivre pour le reste de ma vie. Mais je n'ai pas besoin de. Quand je vois mes frères, mes sœurs croupis dans cette misère révoltante chez nous, dans le pays Bamoun, on a demandé, j'ai demandé, il n'y a pas très longtemps que nous voulons, dans le pays Bamoun, par exemple, dans le pays Bamoun, on veut la région dans le pays Bamoun. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, soyons. Le combat est collectif. Ce n'est pas. Vous savez, bon, moi, comme je dis, il y a des gens qui, j'espère, peuvent aller de temps en temps essayer de faire le direct pour essayer d'améliorer la galerie. Et ce n'est pas mon cas. Donc, quand je viens vers vous, mes chers compatriotes, c'est pour vous donner des informations crédibles et fières. Donc, l'information que je vous donne aujourd'hui est une information. Bon, et je peux vous dire que ce n'est pas tout le monde, même dans le gouvernement camerounais, qui apprécie les gens que je parle avec. Même certains ministres avec qui je parle ne sont pas d'accord que Ngongo prend le pouvoir tant qu'il y aura la guerre, entre eux-mêmes d'ailleurs. Depuis 1982, que le président Biya, enfin le président Ejo, a donné le pouvoir gracieusement à M. Paul Biya. Nous avons dansé, à l'époque, j'étais enfant. Et après toutes ces années, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de progrès. Je ne veux même pas aller parler de mon village, le pays Bamoun. C'est-à-dire que de Foumen à Malantren, dans le village de ma maman, il y a 30 km. Mais quand je suis au Cameroun, bon, la différence c'est que moi, j'ai bon, moi, les voitures qui peuvent me permettre d'aller dans ce village, parce que j'ai les 4x4. Mais ceux qui vivent, quitter Foumben pour aller à Malantren, il faut 6 heures de temps. C'est distant de 30 km. J'ai vu un reportage, il y a 2-3 jours, c'est Kinos, le village de chef traditionnel qui avait refusé le don, enfin, plus ou moins, le don du gouvernement, parce que j'appelle ça comme ça, parce que le président de la République ne peut pas donner fait le don. Parce que l'argent, c'est l'argent des Camerounais, ce n'est pas l'argent du président. À moins qu'il a peut-être des amis qui, n'est-ce pas, fait des dons à son nom. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi on va dire que ce sont des Camerounais. Des dons du président, c'est moi lapsus, des dons du président. Donc c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, je suis révolté pour ce qui se passe dans le pays Bamoun. Excuse-moi lapsus. Au Cameroun, dans ce cher pays que nous aimons tous. Je vais. Par exemple, il y a les chefs traditionnels m'ont fait part de leur inquiétude. J'ai parlé avec beaucoup. Ils m'ont dit ceci. Beaucoup sont des sympathisants du parti d'opposition. Je vais parler de ça tout à l'heure. Là. Ils sont des sympathisants du parti d'opposition. Mais seulement, il faut qu'ils montrent au sous-préfet ou au préfet de leurs différentes régions qui sont pour le pouvoir, pour avoir les quelques miettes. Vous avez vu, je crois que ceux qui ont suivi Kinos a vu où habite ce chef traditionnel dans le sud, dans une maison. C'est même pas ici. Il n'y a même pas de l'eau. Je ne parle même pas de la lumière parce que bon, lui, c'est la lumière là-bas, c'est un rêve. Et qui, le lendemain,
viens dit que il était un militant des RDPC parce qu'il a eu des menaces. Parce que et on lui a menacé de coups. Bon, ben, vous savez comment ça se passe. J'ai dit il y a pas la semaine dernière que c'est les menaces que mon grand-père, Laurent Joyeux, a eues et quand il a été déporté à Yaoundé. Et c'est pour ça que je ne soutiens pas. Enfin, je suis ami avec tous ces chefs traditionnels. Je parle avec. Et tous me disent la même chose. Vous avez vu un soi-disant candidat à la présidentielle de 2018 qui est venu troisième. Aujourd'hui, il est à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Il passe tout son temps à vilipender des informations sur la toile. Il ne peut rien faire pour les Camerounais. Voilà la vérité vraie. Donc, les. La situation qui nous intéresse maintenant, c'est que on ne peut pas perdre de vue que la seule personne qui est opposée au Cameroun aujourd'hui, c'est Kamto. Et c'est que moi, j'ai envie de demander à tous ceux qui, n'est-ce pas, lui jettent des pierres, c'est que mais pourquoi, si il n'a pas de voix et il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'élu et qui ne parle pas au nom des Camerounais, pourquoi à chaque fois c'est toujours ces gens qu'on invite dans les plateaux de télévision au Cameroun. Parce que vous savez très bien que si vous n'invitez pas un agent des MSC pour machin et tout, personne ne va suivre votre chaîne. Vous savez très bien. Et là est le problème. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que le président, le pouvoir est vacant. Et que j'ai d'autres informations que je vais vous donner dans les prochains jours. Vous pouvez comprendre mon émotion pour le pays que j'aime et que j'adore. Et comme je l'ai dit tantôt, je n'ai rien contre Fernand Gongo. Et contrairement à ceux qui m'envoient des messages en privé, vous me demandez qu'est-ce que je veux, pourquoi j'attaque Gongo. Je n'ai jamais attaqué un Gongo. Mais j'ai tout son dossier. J'attends seulement qu'il soit nommé président, comme vice-président. En ce moment-là, je vais lui sortir les photos, les dossiers. Pour le moment, j'attends. Il ne va pas nier qu'il ne connaît pas le prince, le grand prince. Hein. Il ne va pas nier qu'il ne me connaît pas. Hein. Je ne vais pas nier parce qu'il m'a reçu à la présidence il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a peut-être quelques années. Hein. Il ne peut pas aussi nier qu'il m'a. On a quand même eu des rapports à Washington, à New York, aux Nations Unies, où j'étais invité. Alors qu'il ne peut pas nier ça. Donc, je n'ai pas envie, il m'a jamais rien fait. Je fais un petit coucou à mon grand frère Koutou. Njupundi, le directeur général des Cameco. Un petit coucou à ces messieurs, ces grands frères. Puis voilà. Quand je dis que la majorité des Camerounais aujourd'hui sont atteints, c'est-à-dire qu'ils ont un problème, ils refusent de revendiquer le droit, ça va de soi. Il y a des gens qui refusent carrément de s'afficher, de dire qu'ils sont des patriotes, des Camerounais, qu'ils aiment le pays, mais ils préfèrent ces soucis de ce qui se passe ailleurs. J'ai vu des t-shirts camerounais qui, n'est-ce pas, condamnent ce qui s'est passé en Amérique. Enfin, c'est des trucs qu'on a vu depuis. Hein. Non, ça nous dérange même plus. Donc, mes chers compatriotes, vous pouvez aller sur ma page prochainement. Je serai sur ma page officielle, Son Altesse Royale, le Grand Prince Njoya. Pour me suivre. Je reviens juste après pour un autre déballage parce que j'ai d'autres informations juste après ce qui va se passer à l'Assemblée. Après ça là, je vous reviens. Mais suivez-moi sur ma page officielle, Son Altesse Royale, le Grand Prince Joya. Je vous aime.
Je vous adore. Vous êtes, comme dirait une Congolaise, mon jardin d'amour. À très bientôt. Ici, c'est le grand prince Joya. Merci beaucoup.